C'est quand même, on peut se le dire. Comment ce pays si riche, la France, sixième économie du monde, a-t-il pu désosser ses hôpitaux jusqu'à devoir, pour éviter l'engorgement des services de réanimation, se résigner à cette seule solution moyenâgeuse, le conflit? Si on est en temps de guerre, il y a quand même des profiteurs. On est passé de 7 centimes il y a quelques semaines à 95 centimes. Quelle chance tu as de pouvoir aller retravailler? Quelle chance tu as même de payer les masques 49 centimes parce que tu sais, dans 2-3 jours, ils vont m'euthanasier avec des pilules pour animaux. Il y a quelque chose qui m'a énormément interpellée. C'est que là, on voit le premier prix, enfin, le prix à 6 euros. Et quand on enlève l'étiquette, hop, le prix à 3 euros. C'est le vétérinaire qui leur en a donné. Plus que 6 jours avant le déconfinement. Et lui évoque des cas en Afrique qui ont démontré que quand vous confinez les gens ensemble, personnes contagieuses et personnes non contagieuses, l'impact en termes de flambée de contamination est pire que de laisser circuler les gens dans la société, où ils vont croiser bien sûr plus ou moins des personnes infectées, mais quand vous les confinez à journée longue, le taux de mortalité selon ces études en Afrique est 4 fois supérieur chez les personnes qui ont été confinées avec des personnes contagieuses que pour les personnes contagieuses elles-mêmes. Je me risque à évoquer quelques pistes de réflexion. Premièrement, instituer des contre-pouvoirs. Maintenant, c'est vous le contre-pouvoir. Vincent Lindon l'a décidé. Maintenant, on va arrêter les grands patrons. On va arrêter les industriels. Mais... Défense des... La constitution de la 5ème République avait été taillée sur mesure pour le général de Gaulle. Salut, je peux te faire des costumes pour Macron? Ouais, $50? Ouais, ok. Ok. Ok, $50, tu m'exploites un maximum de shintok et puis on t'achète ça pas cher. Allez, on exploite les shintok. C'est bon, on a des costumes pour Macron, on est content. Un costume bien trop grand pour ses récents successeurs. D'autant que depuis l'instauration du quinquennat, le président dispose toujours et pendant toute la durée de son mandat d'une franche majorité au Parlement. En tant que député, Macron a toute ma confiance. Que veut-il? Il vous demande de voter une loi pour la réduction budgétaire des hôpitaux. Voilà, c'est simple. Dites-lui que j'accepte de voter cette loi et que je la trouve très 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 bien. Très bien, il faut libérer la Chambre, monsieur, maintenant. Quant au pouvoir judiciaire, son indépendance n'est que théorique, tant il est simple de le contrôler par le jeu des nominations et des promotions. Vous voulez être juge sous Macron? Vous devez aider le peuple ou les grands patrons? C'est simple. Le peuple! Le peuple! Voyons le résultat. La presse, problème. 9 milliardaires en possèdent l'immense majorité. On ne s'étonnera donc pas que l'intérêt des puissants soit ménagé dans le traitement de l'information. Putain, ils me saoulent avec leur BFM TV là. C'est de la propagande. Allez, je me déconfine. Je sors les gars, je vais me déconfiner. Vous êtes prêts à me voir déconfiner? Puissante politiquement, la contestation s'exprime là où elle le peut encore, dans la rue et dans les sondages d'opinion. Certains ont même essayé de s'introduire dans le bâtiment. Une marée humaine jaune fonce sur les forces de l'ordre. Deuxièmement, responsabiliser les élus. Les élus devront être comptables de leur action devant le peuple dont ils ont obtenu la confiance. Tu croyais que j'allais pas t'arrêter? Je suis flic de la police. Vincent Lindon, tu comprends? La police Vincent Lindon, maintenant j'arrête les exploiteurs, ceux qui exploitent l'homme, les lobbies, les grands pollueurs. C'est vous qui allez payer. Une élection, c'est quoi? C'est l'histoire d'une femme ou d'un homme qui arrive et qui dit « Faites-moi confiance, voilà ce que je vais faire ». Juste une question à poser à Vincent Lindon. Est-ce qu'il est capable de se projeter en 2022? De voir que Mélenchon ne s'est pas allié avec les Verts, qu'on a fait tout du barouf et du barouf, que le grand moteur c'était critiquer l'autre, pas se construire nous-mêmes, ne pas passer le second tour, voir un autre président gagner et passer jusqu'à 2027. C'est ça que Vincent Lindon doit se poser comme question, c'est comment responsabiliser Mélenchon et Jadot pour qu'ils créent un socle commun fort. Enlevez les clous de vos portes et déconfinez-vous. Oh,
c'est parti pour le nouveau monde, le monde âpre d'après. Tu vas retourner bosser ? Ouais, patron, je vais le décharger. Je vais décharger dans le hangar, mais la nature a repris ses droits. Il y a 300 putains d'alligators dans le hangar, comment je vais faire, moi ? Eh ben, c'est évident que le déconfinement s'est mal passé. J'arrive avec mon amoureux Jean-Paul au supermarché. Là, il y a une oie, elle nous a attaqué. Elle est rentrée dans la bagnole, carrément. Hein. Elle a tué mon amoureux, elle l'a bouffé, quoi. Oh. De Covid-19 a entraîné l'annulation de presque toutes les interventions chirurgicales. Un grand nombre de patients atteints de cancer ont pourtant besoin d'être opérés. T'inquiète pas pour ma chimio, Macron a prévu le plan Macron Rouge. Macron Rouge ? Malheureusement, pendant l'épidémie Covid, les cancers sont toujours là. Et comme tous les cancers, ils progressent. Et donc, il y a vraiment un gros problème en ce moment. C'est quoi ton problème ? Le problème, c'est qu'il y a encore Macron. Il y a encore Macron pendant l'épidémie. Il y a encore En Marche. Ils ont tué ma mère avec... Avec un médicament pour faire bander les poneys. C'est vrai, et alors ? C'est pas évident. Là, on a une mortalité qui est de 0,1 à 0,5% maximum. Ne t'inquiète pas, journaliste chroniqueur. Ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que peut-être le taux de mortalité soit de 0,5 si j'arrive à survivre. Enfin bon, c'est pas évident parce que... Ça veut dire que plus de 99% des gens qui ont ce virus-là vont s'en sortir, vont même pas en entendre parler. Un président de la République et un ministre de l'éducation masqués. L'école maternelle Pierre Ronsard de Poissy ne voit pas cela tous les jours. D'ailleurs, certains enfants de la classe de CP ne l'ont même pas reconnu ce matin. Bonjour. C'est bien lui, Emmanuel Macron. Terrorisé par les gaz lacrymogènes de Macron, l'Indonésie refuse de le recevoir. On a construit ce mur tout autour de l'école pour protéger les enfants. Ce sont les professeurs qui ont décidé de le faire construire. Bonjour madame, on a un gros problème avec votre fils. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit que Macron... était un traître à la condition humaine et un néolibéral, vous rendez compte? Alors comment aider cet enfant qui dit que je trahis la condition humaine et je fais du néolibéralisme? C'est simple, avec de la lacrymogénine, c'est pour enfants, c'est de la lacrymogène pour enfants, c'est excellent. J'ai suivi le débat à l'Assemblée nationale mercredi dernier, monsieur le Premier ministre, il y a là-bas des virtuoses du coronavirus. Je revois encore le professeur Mélenchon de la faculté de médecine de La Havane. Devant tant de recommandations de spécialistes, je n'ose pas vous proposer les miennes, moi qui ne suis qu'un simple médecin épidémiologiste. Les gars, on passe pour des cancres. Allez, on se concentre. On se concentre sur le cours. On passe pour des cancres à l'Assemblée nationale. Le coronavirus, le pic 1. Le pic 2. Le pic 1 et le pic 2. Tu dois savoir. Alors moi, il y a une phrase que j'adore en ce moment, j'arrive pas à savoir à qui l'attribuer si vous retrouvez ça. Si vous faites partie de ceux qui pensent, et là c'est un sonnerie du téléphone, si vous faites partie de ceux qui pensent que changer le monde n'est pas possible, alors prière de ne pas déranger ceux qui essayent. Ah ouais ? Ah ouais, nouveau journaliste, tu es prêt pour combattre le système, alors t'es prêt à bouffer de la merde ? À te faire gazer, à te faire matraquer, à te faire flashballer toute la journée, tiens ? Et moi, j'ai envie d'être acteur à leur côté et de filmer ces gens qui poussent finalement les limites. Le truc où j'avais fait Road Truck Simulator, je n'en ai qu'une fois. Aïe, ah ! La classique. Oh non, mais... Oh là là. Alors, mais, non, mais quoi ? Moi, j'ai pas peur de les dire les secrets. Premier exemple, le rappeur Tupac serait aux Maldives. Et ça, c'est de source sûre. Il est co-gérant d'une épicerie fine avec Coluche. Merci. Je suis venu vous dire solennellement, pour le cas d'un qui ne saurait pas, que je suis officiellement candidat à la présidence de la République. Le journal du dimanche révèle
qu'un sondage donne à Coluche 16% des intentions de vote. Ça devient sérieux. Vous imaginez, à l'époque, de manière spontanée, il s'était fait 300 comités de soutien dans toute la France. Bonsoir à tous. Oh la vache, maman, faut que tu viennes voir ça. Qu'est-ce qu'il y a encore, putain? C'est pas possible, tu me casses les couilles à la fin. T'es toujours avec ces vidéos de merde, je suis en train de décharger les courses. Enseignements généraux, donc c'est source sûre, ça sort du four, ça. Les Daft Punk, le groupe de musique électronique, et depuis toujours et en réalité, Alain Souchon et Laurent Voulzy. Les chips aux crevettes, l'apéritif le plus consommé par les Français. Eh bien, à l'intérieur des chips aux crevettes, et tout le monde en avale, eh bien, il y a des micro-traceurs. On nous ment? Je crois que oui. Et ce matin, il a rendez-vous chez l'un de ses clients les plus importants. Alors aujourd'hui, je vais détruire des vêtements. Quel genre de vêtements? Des vêtements d'une grande marque de luxe. Fais trimer les ouvrières. Pas pour 15$ l'année. Savoir quelle marque ? Non, ça reste confidentiel. À l'arrière de son véhicule est installé un engin destructeur. On peut y faire beaucoup avec cette machine ? On peut détruire jusqu'à 5 tonnes par jour. Voici ce que certaines marques souhaiteraient cacher au grand public. En plus des papiers confidentiels qui ont été détruits, nous découvrons juste derrière des habits en lambeaux. Frédéric viendrait de broyer pour environ 200 000 euros d'invendus. Des vêtements neufs. Bonjour. On va parler notamment du monde d'après, que celui qui va bientôt arriver, justement, dont beaucoup espèrent des bonnes choses après cette crise du coronavirus. Vous appelez à bâtir le nouveau monde. Hey, Yannick Jadot, il y a Nicolas Hulot qui revient, il a pas peur du lobby des chasseurs. C'est moi le prochain président. Mais avant de parler de ce nouveau monde, parlons de ce qui se passe actuellement. Pour vous, qu'est-ce que dit cette crise de notre société ? Bienvenue dans ce 8e combat de catch. Alors, Macron tient la main de Trump. Trump le tape. Lâche-moi. Il ne veut pas. Il le tire. Ah, il le déséquilibre carrément. Macron est fâché. Il le retape. Il lui donne un petit coup de poing. Tiens, tu ne me pousses pas. Il lui dit. Ah, attention. Il le repousse. Ah, il va s'attaquer à la femme. Macron. Ah, il se balance les mains. Ah, il s'attaque à la femme. Un petit bisou. Ah, Macron est échec et mat. Qu'est-ce qui se passe? Il lui prend la main. Mon Dieu, quel culot. Il les unit. Je dirais que j'ai été trop lâche dans ma critique du néolibéralisme et dans tous ces outrages. Et puis aussi, on le voit, Jadot, en tentant de s'incorporer, évite le conflit. Mais il y a un conflit nécessaire parce qu'il y a des culpabilités. Et ces culpabilités, elles refusent d'être condamnées. Alors moi, je pense qu'il va falloir refonder la gauche. Tu fais du roller et tu es écologiste. Vote pour Jadot et aussi pour Mélenchon. Tu aimes les chaînes en or, y'a pas de problème. Tu aimes les beaux petits booty. Avec un tronc assez fort, un tronc solide. Parce que cette solidité, finalement, c'est la preuve d'une intelligence, d'une capacité de s'organiser les uns et les autres avant. Et s'organiser avant, c'est pouvoir évidemment savoir s'organiser après. C'est juste, hyper logique qu'on aille tous ensemble. De front, parce que le combat est très difficile et que la convergence des luttes est capitale et que, évidemment, on est perdant. Doc, on a perdu les élections, il faut qu'on remonte le temps. Quoi ? On a encore perdu ? Ouais, il faut qu'on remonte le temps. Ah, c'est pas possible, regarde Nicolas Hulot. En 2020, il parle pas de la convergence des luttes. Du coup, cet abruti nous avait mené à la défaite dès 2020. Oh, les abrutis, la convergence des luttes. Déjà maintenant, en 2022, si on réfléchit à notre capacité de nous organiser. On est 7,5 milliards d'êtres humains sur la Terre. Imagine qu'on se tienne tous côte à côte, l'un à côté de l'autre, comme ça. Et puis on ferait des rangées, l'une derrière l'autre, pour faire un carré. Et ben ce carré, il mesurerait 86 km de côté. Ouais, l'humanité complète tiendrait dans une région de France ou une petite partie de la Suisse. Tu peux vérifier, 86 km, c'est 86 000 mètres. Et 86 000 fois 86 000, c'est à peu près 7,5 milliards. Et donc ça, t'es capable de pourrir ça. Salut, je suis prof d'écologie. Pas polluer. Et je le fais avec une voix grave. Et ça, ça passe mal. T'as qu'à voir, ils veulent juste augmenter le prix de l'essence et c'est la guerre civile. Écoute-moi bien, tu vas baisser le prix. T'écoute. Le prix des chaussures. 15 centimes.
Si, tu vas les baisser. 15 centimes maximum. 15 centimes. Ok. Une réduction de 15 centimes, c'est bon, ça me va. Bah fais rien alors. Mais on va crever. On va crever. Et en plus, on va crever de malnutrition parce que le quatrième truc qui pollue le plus, c'est la consommation de viande. Je deviens végétarien, boum ! 820 kilos de CO2 économisés. Chérie, ouais, j'ai encore une bonne nouvelle à t'annoncer. Le gouvernement d'Emmanuel Macron est en train de remporter le César dans toutes les catégories du mépris de classe. On peut trouver toutes les variations, mépris des personnes, mépris de leur activité, mépris de leur histoire, mépris de leurs paroles, etc. Ils ramassent tout. Ça me paraît évident qu'il y a une lutte des classes aujourd'hui, qui va des migrants, des immigrés, au prolétariat classique. Monsieur Michel Onfray, j'aimerais que vous ne nous oubliez pas, nous autres. Nous sommes la civilisation des abdos-dominos. Les abdos-dominos civilisationnels, c'est nous. On a des beaux abdos et on n'est jamais écouté. Personne ne parle de nous dans la presse, alors parlez de nous, s'il vous plaît. Monsieur Onfray. Monsieur Michel Onfray. En passant par les jeunes qui sont sans boulot, par les précaires, par les gens qui sont obligés de faire des petits boulots, par les femmes de ménage à qui on donne un coup de fil en disant 2 heures aujourd'hui, 1 heure demain, 0 après-demain, etc. Michel Onfray, il a oublié de parler. Il a oublié de parler des beaux gosses à l'ossature lourde, on n'est jamais représenté dans les médias. C'est dégueulasse, j'en ai marre. Il y a ce peuple-là. Le voici le vrai ralliement, comme je vous le dis. C'est-à-dire des affairistes, quoi, affairistes intelligents qui se traversissent en républicains. Et puis ce sont des libéraux. Sur ces images, vous voyez mon grand-père. Oh, il avait la vie dure, mais moi, ça va mieux. Avec Trump, je bois de l'eau de Javel et ça va mieux. Les gens de droite, ça était toujours les libéraux. Mais pour eux, il y avait une liberté qui était capitale, qui était première, qui était fondamentale. C'est ce qu'ils appelaient eux-mêmes la liberté économique. Ce qui signifie ceci. L'État, la collectivité, n'a pas à intervenir, liberté entière, n'a pas à intervenir dans les affaires privées, surtout dans les affaires commerciales. Putain, fais chier, ce sandwich en plastique, il me fait de plus en plus mal au bide. Et puis mon père, il travaille à l'usine, il se fait exploiter comme un chien. Et puis toi, ta pomme, elle est bizarre. Elle est vraiment bizarre, ta pomme, avec les pesticides. Tu rigoles, Monsanto, il dit que le pesticide, il tue le coronavirus. De quoi s'agit-il donc? Il s'agissait de ceci, qu'il y avait des pauvres gens, des affamés, qui commençaient à réclamer une intervention de l'État pour la fixation du prix maximum du pain. Ça leur paraissait évidemment nécessaire, quoi qu'ils ne payent pas trop cher la miche de pain. Alors à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, Roland Girondin, avait fait une déclaration capitale, qu'il faut retenir parce qu'elle recouvre toute notre histoire du 19e et des débuts du 20e siècle français. Tout ce que le pouvoir, tout ce que l'État peut décider en matière économique, c'est qu'il n'interviendra jamais. Alors, autrement dit, du côté des profits, c'est-à-dire de la vente, quoi, des commerçants, l'État a les mains liées. Il ne peut rien faire. Mais ces mêmes commerçants, ces mêmes industriels se tournent du côté de l'État pour lui demander des avantages. Par exemple, pour demander des concessions de mines. Par exemple, au 19e siècle, pour demander des concessions de chemin de fer. Par exemple, pour demander des primes à l'exportation. Alors tu vois, nous, en tant que grands médias, on a droit aux subventions. Alors on va dire que les gaz lacrymogènes que tu as reçus, c'est de ta faute, c'est toi qui étais violente. Tu comprends? Après, Lamartine, qui était un homme lucide, vous savez, avait dans son Histoire des Girondins donné une définition que je tiens à vous apporter de la liberté économique. Et lui, Lamartine, avait dit, qu'est-ce que c'est que la liberté économique? C'est la liberté pour le commerçant et pour le riche de s'enrichir indéfiniment. Et c'est la liberté pour le pauvre de mourir de faim s'il ne veut pas faire autrement. Eh bien, à partir de 1879, ce sont ces affairistes-là, ces libéraux-là, qui vont être au pouvoir en France, et ils vont l'être, vous savez, pour des décennies. Ce sont des gens qui sont costumés en républicains et qui ne pensent en réalité qu'à la protection des grands intérêts. Leur république, c'est la république des riches, dirigée par les riches et au bénéfice des riches. Et toi là-bas, lâche mon chien, c'est un travailleur, je suis du MEDEF, lâche mon chien, il travaille pour moi, qu'est-ce que tu veux? Il travaille pour moi, c'est mon chien. Va travailler, le chien. Laisse mon chien, le kangourou. Laisse mon chien tranquille. Pour rattraper ce temps perdu, un institut libéral fait une proposition choc. Les salariés pourraient travailler plus sans gagner plus.
Il y a eu de la flexibilité sur le chômage partiel. Tant mieux. Il fallait le faire. Il faut maintenant qu'au moment où on revient au travail, partout où on a besoin de travailler plus, on puisse le faire. Exemple. Exemple des heures supplémentaires payées plus tard, des vacances repoussées, la Toussaint annulée, le peuple pouvant répondre par une guillotine laser résistant au jet Karcher. En plus de la guillotine laser, elle peut utiliser une fantastique révolution, elle-même menant vers un processus global d'humanisme libérant le monde de toutes ses contraintes.